Alors voilà, vous allez découvrir mon endroit préféré. C'est un endroit que peu de gens connaissent à Saint-Valery. C'est un endroit un peu caché, peu de gens savent y aller. Il n'est même pas indiqué. Enfin, c'est indiqué au syndicat d'initiative, mais ici il n'y a pas de panneau. Suspense. Alors là, tout le long, vous voyez, moi j'aurais envie d'y faire grimper des choses, des capucines, des haricots orteils du prêcheur ou des haricots princesses de Pével, ou une belle vigne. Remonte tout doucement. Alors, il faut grimper un peu, mais vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Bon, je suis désolée, c'est un peu long, mais je marche pas vite, hein. Entre deux, je sais pas, non, on voit pas la baie. Sinon, quand les arbres sont plus bas, étaient plus bas, on pouvait voir la baie. Alors voilà, on voit un petit peu. Alors vous découvrez la chapelle des marins. Alors pourquoi est-ce que j'aime cet endroit? Vous allez le voir assez vite. On va avancer encore un petit peu. Alors vous voyez autour, vous avez les champs avec les vaches. Alors nous sommes toujours à Saint-Valery même. Et pourtant, on se croit en pleine campagne. Et vous voyez, de l'autre côté, vous avez la baie. Alors vous pouvez vous tourner soit vers la baie, qui est un magnifique point de vue, ou soit vers la campagne, qui est très belle aussi. Alors là, à part les bruits de tronçonneuse, mais sinon, c'est particulièrement agréable. La chapelle est dans le soleil. Essayez d'aller voir à l'intérieur. Je pense pas qu'on va voir à l'intérieur. On peut pas voir malheureusement. Alors, la chapelle a été refaite, mais elle comportait quantité de bateaux et de plaques commémoratives.
puisque c'était une chapelle en hommage aux marins disparus en mer. Et là, elle a été refaite, donc ils ont supprimé une grande partie des bateaux présents et des plaques. Mais là, de toute façon, il fait trop noir, je peux pas vous montrer l'intérieur. Bon, maintenant, je vais vous emmener dans la descente et on va aller plus près de l'eau. On dit au revoir à la chapelle et on continue le chemin. Ah, vous voyez, la vue est toujours aussi magnifique. Mais là, je vais pas filmer la descente parce qu'il faut que je m'accroche solidement à ma canne. Donc on se retrouve en bas. Alors là, on est à mi-chemin. Vous voyez un peu la descente, c'est caillouteux. Mais je voulais vous montrer, les bateaux sont en train de sortir. La mer monte. Alors on continue. Bon, on est toujours dans la descente. On en voit la fin là. Voilà, je viens de descendre. J'ai jamais vu autant de monde à Saint-Valery un 21 septembre. Je vais vous laisser ici. Moi, je vais continuer ma promenade. À bientôt.